Sur ce stand spécialement monté pour les fêtes, cet artificier professionnel a déjà vendu ses produits phares. Le nouvel an est la période la plus importante de l'année pour lui, avec des prix allant de 50 francs pour les plus petits cotillons et jusqu'à 40 000 francs pour les feux d'artifice les plus complets. Au lieu de choisir des huîtres, on va prendre des feux d'artifice. Et voilà, c'est juste une question de passer une petite heure à tirer tout ça, à faire plaisir aux enfants. De quoi égayer la soirée du 31 décembre, à condition de suivre quelques conseils de sécurité. En tenant à la main, s'il y a une défaillance dans le produit, ça peut vous brûler, ça peut vous faire mal à la main. Donc on ne tient pas la main, c'est très important. On ne peut jamais mettre la tête dessus. Suivant les produits, soit on met ça dans un seau avec du sable, soit on cale ça avec des parpaings. On allume la mèche lente et après on recule et on regarde faire le spectacle. Les feux d'artifice sont à manipuler par un adulte et pas sous l'emprise de l'alcool. Dans ce magasin réservé aux particuliers, les packs ne sont pas vendus aux mineurs, conformément à la réglementation. Pour les enfants, il y a ça, c'est ce qu'on appelle les claque-doigts. Tu le jettes par terre et ça fait un tout petit claque. Voilà. Ça, c'est les plus petits, c'est pas risqué. Après, dès qu'on commence ce genre de feux d'artifice, ça, c'est des vrais feux. Tout de suite, il y a une flamme. Donc, c'est à utiliser avec un adulte, forcément. Et il y a une distance à respecter. Comme tous les ans, les premières ventes ont commencé dès octobre. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. On a eu un catalogue récent, je les connais moins bien du coup, parce que justement c'est des nouveautés. Mais il faut quand même qu'il y ait du changement, parce que les gens rachètent chaque année, et il faut que ça change de couleur, de motif, de durée, de hauteur, pour pas que les gens se lassent, c'est normal. Il est donc important de manipuler pétards et feux d'artifice avec précaution, mais aussi de penser à attacher les animaux, toujours effrayés par le bruit, afin de profiter pleinement du spectacle.